Bonny Automobile vous présente Légende du sport. Bonjour à vous toutes et à vous tous, nous allons rejoindre dans quelques instants Jean-Pierre Romeu, le président de l'association des anciens Montferrandais, car aujourd'hui, il a décidé avec le club de l'ASM Clermont-Auvergne bien d'inviter tous les joueurs qui ont remporté le challenge Yves du Manoir. Jean-Pierre Romeu, bonjour. Bonjour. On vit un grand moment cet après-midi ici au stade Marcel Michelin. Vous êtes, j'allais dire tous réunis, mais une bonne partie des joueurs qui ont gagné un titre. Oui, on a gagné du Manoir, l'équipe de 76, de 86. Mais enfin, il y avait déjà une autre équipe qui l'avait gagné, c'était en 38. Mais les pauvres, ils sont tous morts, il n'y a personne. Donc on s'est réunis aujourd'hui, on est une cinquantaine, on va passer une journée formidable, on fait un bon repas. Après, il y a un truc un peu moins marrant, on ira déposer une gerbe sur la scène de Jean-François Flipponneau, qui est mort en 76. Et après, bon, on regardera le match d'Oyonnax et on va passer un grand moment de rugby, oui. Une belle organisation en collaboration avec le club de l'ASM Clermont-Auvergne. Oui, quand je suis allé voir le président Eric de Cromière, j'ai dit, écoute, il faudrait que le club fasse l'effort. Et il m'a dit de suite, écoute, pour les anciens, en définitive, les anciens, il m'a dit, c'est vous qui avez pas créé le club, mais qui, si le club en est comme ça, c'est grâce à des gens comme vous. Donc, on est une cinquantaine, donc ils nous offrent un bon buffet, on va bien manger, bien boire. Comme avant, il faut garder les traditions. Le fait de se retrouver, ce n'est pas la première fois. Hein. Vous êtes un club actif et vous réunissez régulièrement. Oui, on se réunit une fois par an. Et je peux dire qu'on est entre 300 et 400 personnes à chaque rassemblement, ce qui est unique en France, je crois. De belles choses encore en perspective pour les années futures, puisque vous ne vous lâchez pas. Mais écoutez, ce que j'ai dit à mes copains, là, je leur ai dit, écoutez, il faut qu'on se revoie dans 10 ans, ça serait formidable. Il y en a très peu qui ont disparu, il y en a quelques-uns malheureusement. Mais bon, si on se retrouvait dans 10 ans, ça serait formidable. Merci beaucoup. Merci à vous.